L'éducation est toujours la base du futur d'un pays. C'est la base de tout changement et évolution constructive perdurable dans le temps. Vous, les professeurs et les directeurs, ont le privilège de travailler avec les futures générations de ces pays. Et vous, les étudiants, seront les futurs protagonistes de votre pays. Cette école est pour vous, les professeurs, les élèves et la communauté en général. J'espère que vous allez bien profiter de ces bâtiments et de l'éducation de vos professeurs. Je voudrais citer une phrase de Paulo Freire que j'aime beaucoup. L'éducation ne change pas le monde. Elle change les personnes qui vont changer le monde. Merci beaucoup à tous. Les Nicolas fait comme ça, il vote rouge, il vote bleu, il vote mauve, il baille. Il fait toute partie du travail dans l'école là, tout parent autour de nous, ensemble travail. Nous mettons maintenant ensemble, nous unis ensemble, et puis ça vaut le bal, nous mettons nos kembel là, nous prenons. Ça vaut bien communauté lié, pas bien personnel lié, communauté. Même avec l'église là, bah communauté lié. Les gens peuvent pas avoir envie de prendre un monde là. Et c'est la première fois que nous avons ici là, première fois que nous ça. Et ça fait l'école là importante parce que nous avons une communauté Gaïa qui a bien un paquet de petits monde qui a vivre dans une situation qui n'est pas bonne, une indication qui n'est pas capable de sortir parce que ça fait une indication qui n'est pas capable de bon parce que nous avons vivre en bas d'un tunnel et puis dans un rage dans la boue. C'est ça qui n'est pas bon en dedans de la section communale Gaïa. Pour que ça soit très important pour tout le monde dans l'école neuf. Bon, c'est très important pour tout le monde dans l'école neuf. Parce que tout le monde est bien à l'aise et puis qu'il n'y a pas de bruit dans l'école encore et puis tout le monde n'est pas chita dans la boue et leur chita dans la boue est capable d'attaquer quelle que soit maladie. Mais je ne veux dire qu'il y a une école qui est neuf, une école qui est bien située et puis je ne veux dire que tout le monde est capable d'apprendre sa indication en plus facile. L'école là pour nous. Mais pour qui ça qui est notre très important, nous devons remettre l'école. Nous devons remettre l'école, nous devons remettre plus. Bien deux fois, bien parents. Mais si nous sommes là, nous venons de l'école là, grâce à Dieu, nous sommes secondaires à la caille nous. Avec des petits mounes lui-même, le lever le matin. Si nous avons un travail pour faire, il y a moins et moins possible pour le faire. Et puis pour le mettre à la suite de l'école. Parce que l'école là, c'est un pile monde qui remène et même l'autre monde qui saute. L'autre côté, là où paraît là au bon, c'est l'école ça, c'est première l'école dans Gaïa. Bon, ça me donne c'est lui même le président. Et même pas dit le président, mais quand on est ingénieur, d'armer l'ingénieur ou même d'armer l'agronome, tout le monde. Et nous-mêmes dans la communauté Pep Gaïa, comment nous vivons plus facile, quoi, nous vivons c'est l'agriculture. Un kilti nous vu, mais de parfois kilti a ou pas qu'à rendre garantie la donne. Qui j'en fais? Ou pas rendre garantie? Laissez pas temps sec, ou bien mauvais temps, ces bagailles nous prennent presque chaque jour, et puis on doit finir plein de comme ça, donc on est pas les côtés, mauvais temps passé, tout perdu. Ça me donne à Haïti taille, et nous même pour payer par nous, nous avons même développé, même avec tout l'autre pays. Le programme pour les indigènes en dehors de l'école nationale Cajamel, pour moi c'était vraiment formidable, c'était exceptionnel. C'est-à-dire que pour les indigènes, c'était vraiment bien, je dis compliment, parce que sans pour les indigènes en dehors de l'école, nous ne pouvons pas compter combien de personnes qui étaient victimes de choléra. Hygiène, on peut parler de hygiène. Hygiène, c'est pour toujours laver les mains, pas marcher pieds à terre, pas boire de l'eau traitée. Laver les mains de traiter. Garder avec quelques maladies. Choléra, tuberculose, malaria. Islam, continue. Nous avons parlé d'apprentissage. Nous avons fait un bon apprentissage.
faut que Timounio jeune manger. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le Timoun n'a pas mangé, il faillit à sa volonté à faire. Parfois, ouais, c'est souvent retouché, il n'y a pas qu'à travailler. Mais quand il finit manger tout, il faut que ce sont l'autre Timoun qui devant. Et que l'apprentissage a fait plus bien. Je suis un grand gourou mal. Je suis un grand gourou mal, vous voulez tout bagaille net. Mais dès que vous mangez, vous pouvez manger. Vous pouvez avoir une force pour travailler. Ça vient intéresser tout. Moi, j'ai intéressé Timoun non. Sans quoi elle trouve une école là, tout qu'on est là pour manger, pour le manger. Et pour ça, je viens nous bien content. De pouvoir manger dans l'école, il n'y a pas de problème. De pouvoir gagner le mal, ça vous donne découragé, il n'y a pas intéressant encore. Important. Il vaut de l'eau à vous. L'infini, il m'a imaginé la très belle, la très confortable. Parce que tout bâtiment est séparé, bloc administration à part, et ça, bloc sanitaire à part, la très très belle. Salle déclassée tout, très spacieuse, si vous avez un compte côté pour passer, pour circuler, il y a bien chita, pour être capable de bien apprendre. Après 10 ans, que éducation qui pourta à la base de tout. Si on a l'école, il faut quand on bon l'école. Et puis comme ça après 10 ans, yo capable pays capable on l'autre changement. Ça me t'a même tout pour Haïti là que longtemps nous t'ai compte faire en pile production locale. Actuellement qu'on y a, c'est presque nos productions locales là presque pas gain valeur encore. Vous comprenez, nous presque consommer tout trop bagay qui sorti à l'étranger. Il y a un pile travail. Et puis tout nous longtemps été relé Haïti nous à la perle des Antilles. Vous comprenez, tu gain un pile pied bois, un pile verdure. Malgré ça nous perdit un pile. Nous t'a souhaité nous reboiser Haïti nous. Hein? Pour le fin belle, même j'en étais avant.